C'est quoi le mot d'ordre là? Force et honneur. Ça ne vrai. Thank you.
droite. Six, trois. Pas joué, hein.
que normalement, si tu prends la ligne, il ne peut pas le faire jouer sur le mur frontal, mais tu ne peux jamais un trop dessus. En plein milieu. Vote. C'est comme ça. Aucune règle. Aucune règle pour donner un vote. Même non, tu respectes pas les règles. Ouais. Vote. Changement. Allez, Matt. Avec le jeu 9-10. Ouais, tordu. Ahmed, je l'aurais fait. C'est quoi la tactique là qu'il faut qu'il adopte ? Il faut qu'il défonce, joue un peu plus vite que Théo Parent ou... Ouais. Jumping en fait. Je trouve plus haut. Je trouve comme ça. Et que tu joues avec le cadre. Ouais. Le cadre permet la de mettre des effets magiques. La main gauche aussi. C'est plus fluide. Main gauche ? Ah bref, on joue avec comme la main Théo, gauche comme ou... Théo. Comme Théo. Théo il sait faire. Non. Théo il fait double main. 0-0. Allez Matt, allez Matt. Changement 1-0. Thank you.
croise. Ouais. 5-1. Deux.
Avec à droite, zéro partout. Allez, Matt. J'ai le racket, ça te dérange pas. 1-0. Il y a du public, il y a des... Des esprits insurés. Alex, il s'est senti agressé là. C'est plutôt l'esprit qui me gêne. Pas trop les mouvements de raquette. Tu vois ce que je veux dire. Allez, Matt. Allez, Matt, allez. Changement. Un partout. Championnat. 5-1.
6, 1. C'est un. Droite. 8, 1. À gauche, 9, 1. Je suis pas chez moi. Merci de porter. Moins à droite. Balle de jeu, 10, 1. Allez, Matt! Balle de jeu 2, 10. Faute. Point. Et deux, troisième jeu, monsieur Pavenec qui mène 2 jeux. 2A, je crois. Il y en a un qui est 2A. Ouais, et 2A, donc on va être en premier. Même les 50 premiers, ouais. 50 premiers? Toi? Le premier série, c'est dire 32. 32. 32. 32. 32. Monsieur Pavenec, Monsieur Chipa, Monsieur Pavenec à gauche. Il se des cheveux blancs, Franck. 10, 8, allez, match. Match. Solide, Franck, solide. T'as été bon, Franck, t'as été bon. Enfin, s'il le touche, normalement, il y a un stroke. Ouais, hein, s'il touche dans le projet. Si, ça, j'ai un. Ouais, loin de la ligne. Oh là 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 là. C'est un petit bras. Bon Mathieu, la troisième finale a été la bonne, une première finale perdue contre Thomas Roboul. Plus tard, tu refais une finale contre un certain Mathieu Castagnier. Ouais. Et donc cette année, c'était la bonne. Voilà, c'est ça. Là, je m'étais fait un peu voler par Mathieu en finale. Il avait un peu triché avec l'arbitrage et tout. Donc, comme d'hab. Ouais, voilà. Du coup, je la voulais vraiment cette victoire. Bon, Gabriel, il a vachement bien joué, il s'est bien défendu, mais... Putain, je suis content, putain, celle-là elle fait du bien quoi. Un petit mot, il y a une petite potion magique à Brest ou quoi là? Ouais, il y a Yves hein, qui continue à pousser la balle. Bon, il la pousse de moins en moins bien, mais bon, ça va, il se débrouille bien encore. Et on a un préparateur physique aussi, là, Michel Pape. Bon, lui, il est pas bien physiquement, par contre, il nous prépare bien. Donc, du coup, c'est ça la potion, c'est cette bipolarité entre Yves et Michel qui fonctionne bien. Et, les sparring partners aussi, il y en a 2-3 qui traînent. Ouais, il y en a 2-3, ouais. Il y a Gurval, bon il joue sur une jambe. Non, il est mort Gurval, ouais. On l'a enterré il paraît. Bon, il joue sur une jambe donc c'est dur. Ah quand même. Ouais, quand même ça va. Mais il y a Brie aussi, mais bon Brie là il...
Il a un peu de mal aussi. Brie joue vachement bien en ce moment. Et puis il y a Jacques Pietri, François. Enfin, il y a pas mal de gens qui jouent pas mal à Brest. Donc ça, c'est, on n'est pas en manque. Tu remets ton titre en jeu l'année prochaine? Ah, bien sûr, ouais. Je vais le défendre avec ardeur.